Sous la direction du président, le jury général du baccalauréat technique et professionnel, session du 11 juin 2024, a délibéré le 14 juillet à Brazzaville. Il ressort de son rapport que 16 613 candidats ont participé à cet examen et que 7 252 ont été déclarés admis. Délibérant conformément au texte réglementaire en vigueur, le jury a souverainement retenu la moyenne de 10 sur 20 pour l'admission. Le tableau statistique des résultats se présente ainsi qu'il suit. Inscrit 16 826, présent 16 613, absent 213, admis 7 252, pourcentage 43,65. Pour le président général du jury du baccalauréat technique et professionnel, les résultats de 2024 sont en hausse par rapport à ceux de l'année passée. Comparativement à ce qui s'est passé l'année passée, c'est-à-dire que l'année passée, on était autour de 39,04%. Je pense quand même qu'on a fait mieux, non, de faire 43,65% cette année-ci. OK, moins de 50%, il n'y a pas de loi qui dit qu'il faut avoir 50% ou plus de 50%. On a fait ce qu'on a fait, donc les étudiants nous ont rendu ce qu'eux, ils ont appris. C'est ça le résultat. Et je ne peux pas dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu 50%. Le département de la Bouenza est arrivé en tête avec 124 admis, soit 81,58%, tandis que celui du Poule ferme la marche avec 34 admis dès la délibération. Les candidats se sont rués sur leur téléphone pour consulter les listes qui n'étaient pas encore disponibles.